Voilà, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Bonjour et bienvenue dans l'émission Zénith sur Coloma. Zénith sur Coloma, ce sont des débats, des reportages, des micro-trottoirs, de la musique, de l'humour, du slam. Zénith sur Coloma, c'est 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, et de 11h30 à 12h50, comme à chaque émission. Aujourd'hui, nous aurons notre débat pour commencer. Et le thème choisi est l'insalubrité. Nous nous intéressons surtout à la campagne, aux différentes campagnes de sensibilisation. La question du jour est: quel impact des campagnes de sensibilisation sur la réduction de l'insalubrité dans notre pays? Et pour en parler, justement, nous avons invité dans cette émission des experts en la matière. Nous allons commencer par présenter, parce que on est bientôt, le mois de la femme c'est terminé, la prolongation c'est terminé, bientôt les choses sérieuses vont commencer pour les femmes. On va continuer à leur donner la première place, et la cuisine. Le mois de carême c'est bientôt, la cuisine va commencer sérieusement maintenant. On va l'appeler, elle s'appelle Fatoumata Chérif. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors si... Mais Fatoumata, regardez bien cette tête, ce sourire surtout. Allez, souris. Voilà, le beau sourire. Ce sourire, ce regard, vous les reconnaissez parce que elle est très, très active. On dit même qu'elle est activiste. Et c'est celle qui a créé ce concept selfie déchet. Bienvenue à elle, donc, Fatoumata Chérif, qui sera notre invitée. Je vais l'installer. Voilà, madame. Après, ils vont dire qu'on n'est pas galant. Asseyez-vous, madame. Voilà. On est galant, non? On applaudit Fatoumata Chérif. À côté d'elle, nous aurons un expert. Un expert en environnement. Il travaille au ministère de l'Environnement. Il a fait ses études en France. Et nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance avec lui. Je vous demande d'applaudir Monsieur Mohamed Lamine Sidibé. Bonjour, monsieur Sidibé, comment allez-vous? Bienvenue sur ce plateau. On vous donnera la parole dans un instant pour parler justement de l'insalubrité dans notre pays. Installez-vous. Voilà. Très bien. Alors, naturellement, chez nous, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et son rôle dans cette émission, c'est de ne pas faire de cadeaux. Il est là pour soulever la poussière, pour mieux connaître la direction du vent. Je le dis toujours, il n'a pas sa langue dans sa poche et je crois que depuis un certain moment, il a impressionné plus d'un. Il est jeune, mais quand même, petit à petit, il est en train d'affûter ses armes. Je vous demande d'applaudir Demba Kébé. Voilà. Bonjour Kébé, comment ça va? Comme toujours, aujourd'hui, ce sont nos invités, on va être un peu plus courtois avec eux. C'est les autres là, quand ils viendront ici, on frappe. Mais bon... Ça ne veut pas dire hein, de ne pas... Ah, ok, voilà, on continue. Ouais. Non, c'est bien. Merci. Non, parce que comme c'est une première à la télé, surtout à la télévision nationale, les gens disent, mais il est trop chaud. Je dis, mais c'est son rôle. Il est là pour ça. Il doit chauffer le public, il doit chauffer les débats. Il est là pour contredire. Lui, il est opposé à tout. C'est un opposant dans l'émission. On applaudit Demba Kébé. Alors, aujourd'hui... Un artiste et un groupe d'artistes vont nous accompagner. Le premier, il s'appelle, franchement, je l'aime, je l'adore. Et vers les années 90, il était encore très jeune. Et disons que il fait partie de ceux qui ont été les porte-voix de la jeunesse de notre pays. Il fait partie des pionniers de l'éveil de conscience des jeunes dans notre pays. Vous l'avez connu avec sa guitare. Il a fait son album qui a été un carton. Et aujourd'hui encore, même ceux qui ne l'ont pas connu pendant qu'il était encore en Guinée, ceux qui sont nés après savent qui est Alpha West. Je vous demande d'applaudir Alpha West. Voilà, il est assis tout à fait au fond. C'est notre artiste invité du jour.
Nous aurons l'occasion de parler avec Alpha West de son parcours, mais aussi, surtout, on va écouter ses chansons parce que la dernière fois, beaucoup nous ont fait des reproches. Ils ont dit, au moment où il commence à nous amener dans le passé, à nous faire vivre les bons moments en Guinée, c'est en ce moment l'émission est terminée. Alors aujourd'hui, Alpha West aura au moins 4 chansons à nous proposer. Et ceux-là, je crois qu'ils ont un message pour la nation guinéenne. Ces jeunes méritent le soutien de tous. De celui qui est plus bas, c'est-à-dire Mamadou Boy Diallo, qui est ici. En fait, c'est le dernier des Guinéens. Boy, c'est le dernier des Guinéens. Jusqu'au premier des... Boy Diallo, le premier des Guinéens, il est quoi? Il n'est pas Condé. Bon, voilà. Du premier au dernier des Guinéens, il faut qu'on les soutienne. Et ils ont valablement et dignement représenté la Guinée à un concours panafricain. C'était sur A+, c'est ça? C'est A+. Le groupe Pokémon, ils sont là avec nous dans cette émission Zénith Koloma. Je vous demande d'applaudir Pokémon. Ils sont autour de nous et vous aurez l'occasion de les découvrir. Ils ont un message pour la Guinée et pour le père de la nation guinéenne. C'est ça, non, Diouma? Vous aurez l'occasion de passer votre message. Alors, est-ce que c'est fini? Oui. On va commencer. Non, non, non. Mohamed Bangoura, il viendra. Mohamed Bangoura viendra. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Des montagnes d'ordures partout, des caniveaux gorgés de déchets de toutes sortes, des rues inondées, envahies par des ordures, des maladies dans toutes les maisons. C'est la triste image pendant la saison des pluies. Tel un monstre géant, la période des grandes pluies avance menaçante. Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'autre. C'est donc le moment pour chacun de nous de prendre les dispositions adéquates contre cette période. C'est pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui à l'insalubrité. Et la question du jour est insalubrité. Quels impacts des campagnes de sensibilisation? Oui, parce que souvent, dans les plans d'action de ceux qui luttent contre l'insalubrité, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, on a une spécialiste de sensibilisation parce qu'elle, elle a tout compris des réseaux sociaux. Elle a dit, bon, j'irai sur les réseaux sociaux, pas pour montrer mon sourire, mais plutôt pour montrer, pour essayer de choquer, de titiller nos contemporains, nos concitoyens. Et nous avons M. Sidibé qui est expert en environnement. On va commencer, mais avant le débat, avant d'aborder ce sujet, place à Alpha West que je vous demande d'applaudir très très fort. Love.
na munu kiri falogo wona mane munalogo ma e wona kiri falogo yo wona mane mu animala na inga tilogo na no akapete ibaba tiri wotan en a noir raconté à la t'en a pas dit qui et nous m'a coûté mali mou meni na mede a un katana meni ina rassiri du nouyebe ina nangabama meni tina itanto nou pangri du nouyei ipanyi sotoma meni tina na mei du nouyeu Anya oui plantation naïbe meni. Chef d'état de la Dounouyebe, Nameyo namou meni, ministre de et Allah namou meni. Et général de la Dounouyebe, Nameyo namou meni, et colonel de la Dounouyeyo. Et Allah n'a moumeni, commandant de la, et n'a m'aide n'a moumeni, elle est inantera de mounyeyo, et Allah n'a moumeni, directeur de la, et n'a m'aide n'a moumeni, boriti encore, et Allah n'a moumeni, inarasiri de mounyebe, Ina na ngaba mameni tina, itanto nupangi dununyei, ipangi soto mameni tina, na meite nunyahu, anyawi plantasyo na ibe meni. Na la yila yila lao, Muhammadu Rasulillahi. Seul, il est seul, et ce qu'il dit, ce qui se passe, c'est entre lui, Dieu et sa guitare, mais c'est pour nous, surtout pour nous. Alpha West, merci beaucoup, on l'applaudit. Merci. Voilà, nous allons attaquer notre sujet du jour, le débat du jour. On a fait appel à des experts, et la question sur l'insalubrité, c'est surtout les campagnes de sensibilisation. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation. Est-ce important? Est-ce utile? Quelles sont les limites de ces campagnes de sensibilisation? Je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux que ces deux personnes. Hein? Et on va commencer par accueillir Mohamed Bangoura, qui nous a apporté un sujet. Et c'est ce sujet... À partir de ce sujet, nous allons rebondir pour attaquer notre thème du jour. Viens, Mohamed, rapidement. Bonjour à toi, Mohamed. Alors, Mohamed Bangoura, il est partout. Je l'appelle Wantan Kemé. Le gars, il a 150 pantalons, lui seul. Oui, Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu as une surprise pour quelqu'un aujourd'hui. Oui, évidemment. Mais qui va être, en fait, le point de départ de notre exactement. Débat. Oui. J'ai une surprise pour quelqu'un. Oui. Je ne vais pas dire son nom. Non, ne dis pas le nom. Voilà. Je ne dis pas le nom de la personne. Oui. Mais si c'est prêt au niveau de la régie. D'accord. On va voir cette image. Oui. Et à partir de là. Et qui résume notre sujet. L'intéressé, n'est-ce pas, va se reconnaître. Très bien. Alors, la régie, si vous êtes prêts, c'est parti avec cette vidéo qui va être le cœur de notre débat. C'est parti. Bon, ici, on jette n'importe quoi. C'est ça. Et souvent, les déchets là sont consommés 24 heures sur 24. Si c'était la nuit, vous auriez vu la fumée noire monter jusqu'au niveau du pont. Et malheureusement, c'est quand même un pont sur lequel passent des milliers de personnes, des milliers de tonnes de marchandises et de voitures par jour. À long terme, à petit feu, ce pont pourrait s'affaisser parce que les déchets sont brûlés tous les jours.
des fois 24 heures sur 24. Voilà la situation un peu qui se pose ici. Voilà. On doit mener des actions de lutte contre les déchets. Franchement, les marchés ont besoin d'avoir leur propre unité de collecte et de transformation des déchets. Sinon, on ne pourra pas absorber toute la quantité. Alors, raconte-nous comment tu as eu cette idée et pourquoi c'est cette idée. Ça pourrait, n'est-ce pas, interpeller non seulement les autorités, mais de l'autre côté, ça pourrait aussi conseiller à tous ceux qui viennent, n'est-ce pas, dans ces endroits pour non seulement verser des ordures, mais les autorités à leur niveau aussi qui doivent prêter attention, qui ne font pas parfois leur boulot exactement. Donc je me suis dit qu'il était important de capter cette image et de la garder. Et aujourd'hui, je crois qu'à partir de là, elle ne savait même pas qu'elle était assaisie. Si alors, Mohamed, c'est un fouineur. Mohamed, bravo, merci. On applaudit Mohamed. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire, rapidement? Il y a autre chose. Ouais. Bon, comme nous sommes aujourd'hui le 11 mai, et le monde, n'est-ce pas, du reggae, c'est ce que cette date représente. Ah, Alpha West donc, est là. Je dois avoir deux ou trois questions pour Alpha West, mais je vais... Mais tu reviendras. Tu reviendras quand on va commencer l'entretien avec Alpha West. Parce que c'est au programme. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Alors, le sujet du jour, c'est quel impact des campagnes de sensibilisation sur la réduction de l'insalubrité dans notre pays. Oui, on commence par qui? Monsieur Sidi Bé, vous êtes expert en environnement. Globalement, l'environnement, c'est quoi? Et comment on peut situer les ordures, l'insalubrité, l'hygiène publique dans l'environnement? Ok, merci bien pour la question. Oui. L'environnement, c'est ce qu'on appelle, quand on est dans une zone urbaine comme ça surtout, c'est ce que nous appelons le cadre de vie. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des êtres vivants, c'est-à-dire que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, et leur habitat. C'est de leur lieu de vie. C'est pourquoi l'environnement, c'est nous et tout ce qui nous entoure. C'est ce que nous appelons environnement. D'accord. Et pour bondir sur la question, comme vous dites, par rapport au lien entre les déchets, c'est que les déchets ne sont rien d'autre que nos résidus de consommation. Qui consomme, jette. Et à tel point qu'il y a un lien entre, c'est-à-dire que notre vie sociale et ce que nous jetons, on dit, dis-moi ce que vous jetez, je dirai qui vous êtes. Qui vous êtes, ok. Et l'archéologie a été fondée sur les résidus de nos consommations. Très bien. C'est parce que nous avons laissé des choses derrière que des archéologues découvrent et puis découvrent qui nous sommes ou qui nous étions. Alors, Monsieur Sidi Bé, on va maintenant l'insalubrité. L'insalubrité, ben, c'est quand il y a cette fois-ci un dérèglement. La problématique de l'insalubrité, voilà, on va l'aborder. Parce que les déchets, en tant que tels, c'est normal. Mais c'est quand il y a un déséquilibre entre, c'est-à-dire que ce que nous produisons et comment nous les gérons maintenant, c'est-à-dire que ce que nous consommons, comment nous résidons et gérons les résidus de cette consommation-là, c'est quand les déchets ménagers mal gérés se retrouve après être des déchets de rue, voilà. Des déchets dans les trottoirs. Ces déchets se retrouvent dans des espaces qui ne sont pas dédiés, qui ne leur sont pas dédiés, voilà. Effectivement. Parce que vous allez voir bientôt la saison des pluies et qui va relarguer sur les trottoirs les déchets que nous avons enfouis à l'abri des regards. Justement. Et vous allez voir que tous ces déchets vont être... Remonter en surface, et puis voilà, ça va commencer à nous causer des ennuis. Et ça va commencer à nous causer des problèmes. Donc, c'est de voir Et bien, justement, c'est pour éviter tous ces problèmes-là que nous anticipons, parce que, comme je l'ai dit au début, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que disent, en tout cas, les sages. Et il faut anticiper, il faut savoir, les grandes pluies ne sont pas loin. Et c'est maintenant qu'il faut penser
à toutes les actions à mener. Et en l'occurrence, on va parler des actions de sensibilisation. Alors, la sensibilisation, il y a plusieurs actions qui sont menées et parmi lesquelles on compte la sensibilisation. Mais quelles sont les actions nécessaires, quoi, pour lutter contre l'insalubrité, puisqu'on est dans la période de la prévention? Dans cette phase de prévention, qu'est-ce qu'on devrait faire? Dans cette phase de prévention, parce que déjà, comme j'ai dit, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites, hein, mais souvent il y a des erreurs de communication, de conception ou d'approche. C'est-à-dire, normalement, les citoyens sont les partenaires de l'État, puisque c'est pour eux que le travail est fait. Donc, de ce fait, ils ne doivent pas être culpabilisés, mais responsabilisés. C'est-à-dire, il y a un rôle qui ne peut être joué que par eux. C'est-à-dire qu'il appartient aux citoyens de sortir les ordures de la maison et de les mettre dans une poubelle dédiée à cet effet qui est ensuite récupérée par l'État. Donc du coup, la poubelle est l'interface entre le fournisseur de services et le bénéficiaire de services. Donc c'est un contrat. Donc il faut que l'État puisse définir les limites de chacun. Qu'est-ce que vous, population, vous devez faire? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication, mais si vous dites aux gens, ne jetez pas dans les caniveaux, ne mettez pas à la rue, mais dans ce cas, cela suppose qu'il y a une alternative. Où faudrait-il le mettre? S'il n'y a pas de poubelle, on le met où? Donc, il faudrait quand même parler de tout ça. Parce qu'on est propre pour ce qu'on aime et pour ce qu'on respecte. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'habille, il porte des pantalons propres, des chemises propres, des chaussures propres. Hein? Il ne garde pas la saleté dans sa chambre, il ne garde pas au salon. Ah, donc ça veut dire qu'il aime la propriété. Mais il est propre jusqu'où? Donc c'est cette saleté qu'il sort de chez lui, qu'il envoie dans des espaces de relégation, qui sont les espaces vides, les caniveaux, les marigots et les longs des trottoirs. Donc l'État doit s'y intéresser. Et parfois même la cour du voisin. Dans la cour du voisin. Dans la cour du voisin. Voilà. Donc du coup, y a, moi je ne dirais pas que le Guinéen est sale. Puisque que ce soit le Guinéen ou quiconque. Le Guinéen gère mal sa saleté. Tout le monde aime la propriété. Oui. Mais il faut créer un changement psychologique, un déclic pour faire aimer la propriété aux gens, parce que la saleté attire la saleté, mais au même titre, la propriété incite à la propriété. Quand vous avez un espace urbain propre, vous avez du mal même à jeter vos pots de banane. Donc, il faut créer un contexte de propriété. Y a un spécialiste qui disait que la propriété d'une ville, c'est la somme des habitations privées, c'est-à-dire pris individuellement. Donc, les citoyens, lui, la propriété, c'est quoi? C'est un effort sur soi et son cadre de vie. Donc, cet effort sur soi est proportionné au degré d'adhésion. Il faut qu'il soit convaincu. Ok. Alors là, le degré, on l'applaudit s'il vous plaît. Le degré d'adhésion, ça me permet justement d'aller vers... parce que pour être convaincu, c'est-à-dire que quand on parle de sensibilisation... c'est qu'on cherche déjà à travailler sur la mentalité des citoyens, des populations, pour les amener à une prise de conscience. Alors, dans cette perspective, vous êtes très reconnu, en tout cas tous ceux qui pratiquent les réseaux sociaux, vous ont, à un moment, qu'on le veuille ou pas, aperçu. Vous avez participé à des grands forums à l'international, vous avez été accueilli. Je crois que vous avez participé à une émission, vous avez été reçu par les observateurs, hein, enfin qui est une émission sur France 24. Oui, pourquoi, à votre avis, la campagne de sensibilisation est-ce nécessaire et en quoi est-elle nécessaire? Merci aujourd'hui de parler de ce sujet en lien avec la problématique des déchets à Conakry. Aujourd'hui, notre ville est vraiment classée parmi les villes sales du monde, ce qui ne nous honore pas du tout. Voilà. Donc, il faut jouer justement sur le psychisme des Guinéens.
Donc, à travers l'image, je me suis dit qu'on pourrait porter l'attention des citoyens guinéens sur l'état d'insalubrité de leur environnement. Parce qu'ici, c'est un espace de vie commun. Donc, aujourd'hui, la question des déchets est une question de santé publique. C'est même une question de sécurité. Vous avez vu l'année dernière, pendant la saison des pluies, avec la décharge de Concasser qui a fait un mort d'homme. Donc, c'est une question de sécurité. Donc, c'est aussi une question de gouvernance. Donc, on peut même évaluer l'état de gouvernance d'un pays à travers la gestion des déchets. Dès qu'on voit un pays, dès qu'on voit la gestion des déchets, on peut savoir est-ce que le pays respecte les lois, est-ce que les citoyens sont suffisamment engagés, sensibilisés, est-ce que chaque acteur joue son rôle. Voilà. Et quand on vit en Guinée, c'est justement de ça qu'on se rend compte. Quand on voit les déchets plastiques, on voit que les conventions ne sont pas respectées. Quand on voit que les déchets sont jetés en bordure de mer, il y a un problème. Quand on voit qu'il n'y a pas de poubelle publique, il y a un problème. Donc c'est pour vous dire, combien de fois, cette question mérite d'être au centre de toutes les attentions. Voilà, d'où cette forme de campagne. Vous savez, depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup de campagnes, tant au niveau des organisations de la société civile, que du gouvernement, que des collectivités locales. Mais justement, c'est la question que nous posons ici, que moi je me pose, c'est est-ce que ces campagnes sont utiles? Jusqu'où elles sont utiles? Elles sont utiles, mais elles ont des limites. Ouais. Voilà. Elles Quel sont est utiles. L'impact voilà, est parce l'impact que M. Sidibé le disait tout à l'heure, pour lutter contre un phénomène, il faut associer les cibles. Oui. Voilà. Donc, certaines campagnes n'ont pas associé les populations. D'autres l'ont associé, mais jusqu'à un certain moment. Dans la mise en œuvre des programmes, les populations ne sont plus intéressées. Dans la phase de consultation, on les intéresse, mais dans l'application, on les met de côté. Donc, ce qui fait qu'ils n'adhèrent pas suffisamment à ce plan d'action. OK. Voilà. Alors, parlons concrètement. C'est-à-dire que quand on dit campagne de sensibilisation, parfois, il y a ce que vous faites. Et je crois que ça choque. Oui. Il y a donc les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, c'est poster des photos de des ordures, enfin, de l'état d'insalubrité de la ville sur les réseaux sociaux. Ça, il y a une première action. Il y a les campagnes médiatiques, donc radio, télé. On fait des conférences, on va à la rencontre des populations, on fait des affiches, des prospectus, on fait des banderoles. Et je ne sais pas combien de personnes savent lire ces banderoles dans les quartiers, les prospectus. Je ne sais pas combien savent lire les prospectus dans les quartiers. C'est-à-dire, j'ai l'impression que parfois, on utilise de l'argent pour faire une action, mais sincèrement, est-ce qu'on a pris le temps de mesurer l'impact? Et c'est là la question fondamentale pour moi aujourd'hui. Alors justement, l'impact des campagnes, où faut-il changer de méthode de faire? Voilà. C'est pourquoi on a justement analysé tout ce qui s'est passé dans, en Guinée avec les campagnes, ça commence, ça ne continue pas, il y a des dons, après on arrête. On s'est dit qu'il faut vraiment aller à la source. Qu'est-ce qui fait que Conakry est sale? D'où l'approche de terrain. On a une approche empirique qui nous met sur le terrain. On va à la rencontre des populations, à la rencontre des gestionnaires des déchets. On va jusqu'où les déchets sont jetés. Donc on retrace un peu toute la chaîne des déchets, ce qui nous a permis d'avoir des informations, de catégoriser les problèmes et de remonter les données. Voilà l'approche différente de nous, notre campagne. On ne s'est pas arrêté aux campagnes d'un jour ou de deux jours. Nous nous sommes dit, l'image, elle parle plus que les mots. Aujourd'hui, tous les citoyens sont connectés jusqu'à l'intérieur du pays. Il suffit de voir une image pour que ça te pousse à la réflexion. C'est comme l'art, c'est comme les tableaux qui sont là aujourd'hui. Tout le monde peut avoir une vision différente de la chose. OK, alors, on l'applaudit s'il vous plaît. Fatoumata Chérif, très active. Activiste contre les ordures. Alors, j'ai senti pendant tout ce temps Dembaï Fekébé qui faisait. Il a envie de parler. Bon, le moment de calme pour vous est passé. Parce que je passe la parole à Kébé. Kébé, vas-y, attaque. Bien, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à l'assistance. J'ai bien aimé l'intervention des deux spécialistes, mais nous savons bien aujourd'hui que l'insalubrité est une véritable problématique dans notre pays. Et cette insalubrité n'est Kébé, tu peux élever un peu la voix. Cette insalubrité n'est pas sans enjeu. Je voulais poser la question à Monsieur Sidibé, est-ce que le ministère de l'Environnement fait des propositions, des solutions au gouvernement par rapport à la gestion des ordures au sein de la capitale. Oui, au fait, le
ministère de l'Environnement est chargé actuellement d'élaborer la politique de l'État en matière de gestion des ordures. Maintenant, quant à la gestion concrète, cela est confié à l'administration du territoire. Vous n'avez pas de rapport à l'administration du territoire par rapport, comme vous le dites, à la gestion concrète des choses? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quand il nous convie, au cas par cas, selon soit dans des cellules de réflexion ou soit de propositions, oui. Mais il n'y a pas une équipe pérenne, permanente. Donc, si je comprends bien, vous n'y êtes pas associé à 100% à la politique de gestion des ordures, c'est ça? Au fait, pour aller droit au but, c'est-à-dire qu'il s'agit ici là, d'une politique, c'est-à-dire que propose, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement, pour dire qu'est-ce que nous voulons faire de nos ordures. Maintenant, cette politique, maintenant, quant à l'effectivité, est-ce que c'est suivi ou pas par le ministère de l'administration du territoire, est autre chose. C'est-à-dire, je vais vous dire, l'un des problèmes, au fait, aujourd'hui, de la gestion des ordures en Guinée, c'est le fait qu'il y a plusieurs intervenants. Eux, la multiplicité Je vois Shérif qui hoche la tête, mais tu auras l'occasion d'intervenir tout à l'heure. La multiplicité des intervenants est un atout, mais ça a ses inconvénients. Je ne comprends pas. Il faut un peu éclairer les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par plusieurs intervenants? Voilà, c'est-à-dire plusieurs intervenants. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire vous avez le ministère de l'Environnement qui élabore la politique, l'administration du territoire qui fait la gestion quotidienne, et puis vous avez le ministère des Travaux publics qui est chargé de curer les caniveaux. Vous avez donc les communes aussi qui interviennent. Et comme disait un scientifique, c'est-à-dire l'addition des pouvoirs et la soustraction des responsabilités. Quand vous avez plusieurs intervenants, du coup, personne n'est responsable. Puisque chacun dira, j'ai fait ma part. Quand ça marche, c'est tout le monde, mais quand ça échoue, ce n'est personne. Donc, c'est pour cela que l'agence a été créée. Mais le problème est que l'agence, je pense, aurait dû être, ça c'est un avis technique, un service qui intègre tous les techniciens spécialistes en la matière, c'est-à-dire plutôt que des consultations occasionnelles. C'est-à-dire, par exemple, pas venir vers vous pour vous consulter de façon occasionnelle sur un sujet donné. Mais si on avait fait appel à toutes les compétences pour l'intégrer dans une structure autonome qui peut ou non relever d'un ministère, maintenant on aurait pu être plus concret. Réduire alors, un peu. Alors, juste là-dedans, monsieur Sidi Bé, vous êtes expert en environnement, vous avez fait vos études en France, donc ça veut dire que vous connaissez le cas français. Oui, forcément. Évidemment. Et le cas, je sais comment ça se passe dans les universités en France, pour y avoir étudié, permettez-moi de le dire, oui. Mohamed, c'est quoi? T'es jaloux? N'attends pas la monnaie. Non, ben, c'est vrai que vous avez, pendant vos études, vous avez eu l'occasion de travailler sur plusieurs cas, que ce soit la gestion des ordures en France, en Allemagne, en fait dans l'Europe, et dans les pays anglo-saxons, etc., etc. Et si on vous demandait aujourd'hui de faire une comparaison, vous enlevez votre... Vraiment, moi je vous ai invité, pas parce que vous travaillez au ministère de l'Environnement, mais parce que Shérif m'a dit, oui, il est expert en environnement. Quand vous m'avez envoyé votre CV, je l'ai vu, et j'étais convaincu, techniquement, je m'adresse à l'expert, à l'universitaire, au scientifique, pas au cadre du ministère de l'Environnement. Comment ça pourrait mieux se passer? Voilà, c'est-à-dire que comment ça pourrait mieux se passer? On sait que si on prend par le passé, ces pays, y compris les États-Unis, particulièrement New York, que nous voyons aujourd'hui, que nous chérissons, New York a été l'une des villes les plus sales autrefois, à tel point qu'on prenait les ordures, on les mettait dans un bateau, on les jetait à la mer. Donc c'est pour vous dire, il y a même une île là-bas qui a été créée à partir des tas d'ordures. Et là, toutes ces villes-là, les rues étaient sales, faites de dépotoirs, de carcasses, de chevaux morts. Donc c'est dire qu'ils sont passés par là. Quand on prend la France aussi, c'est pareil. On a vu Eugène Poubelle, le préfet
Eugène Poubelle qui a donné son nom à la poubelle. Okay. À tel point que. Donc poubelle, en fait, c'est le nom. Poubelle, c'est un nom, c'est le nom famille. De famille de quelqu'un. C'est comme s'il s'appelait. C'est comme quand on dit shérif, quoi. S'il s'appelait Eugène Shérif, ben, on aurait appelé les poubelles shérifs. Okay. Donc, du coup, le préfet Poubelle qui a instauré les poubelles, puisqu'il a vu que c'est nécessaire, au lieu de jeter par terre, on met dans un récipient où il suffit de transvaser. Plutôt que de ramasser par terre, ça prend plus de temps et ça coûte cher. Donc, il y a des choses qui ont été faites ailleurs. Il y en a qui sont passés par cette étape-là d'insalubrité, qui ont trouvé des solutions. Et nous, nous devrons aussi mettre le système en place, parce que le système, il n'est pas en place. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que d'un, il faut associer la population, comme on dit, puisque c'est pour eux qu'on travaille. Pourquoi? La population, les citoyens peuvent poser des problèmes, mais aussi peuvent proposer des solutions, et aussi peuvent quand même participer même au processus. Puisque quand vous mettez une benne à ordures quelque part dans un quartier, mais qui va y jeter les ordures? C'est eux. Alors qu'il y a une distance réglementaire. On ne doit pas faire, par exemple, plus de 200 mètres pour aller jeter ses ordures. Est-ce que cela est respecté? Est-ce qu'on leur a demandé? Parce que c'est en fonction des distances entre les citoyens et les dépotoirs qu'on définit le nombre de poubelles. C'est-à-dire, donc, il y a un calcul technique à faire. Ce n'est très bien. Kébé, si je comprends bien, de continuer parce que j'aimerais bien revenir à la question du jour, c'est vraiment l'impact de la campagne de sensibilisation. Okay. C'est-à-dire, est-ce que c'est utile, les campagnes de sensibilisation? Est-ce que les moyens, les supports utilisés dans la sensibilisation sont utiles? Est-ce que le choix est judicieux? Quel est l'effet produit aujourd'hui? Mais je laisse Demba Kébé continuer. On reviendra à ça. Okay. Par rapport à ça, je pense que tout ne peut pas se limiter à la communication et à l'information. Non, c'est cette partie de l'action, des actions qui m'intéresse. Il y a trop de campagnes de sensibilisation, mais moi je ne sais pas on ne sait pas quel est le résultat. Oui. Est-ce qu'on a pris le temps de mesurer? Parce que quand on voit les moyens investis dans les campagnes de... Elle est consultante en communication. Quand on voit les moyens investis dans la communication, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas faire très peu de sensibilisation et utiliser une bonne partie pour... Bon, ça, ce n'est pas à moi de répondre, mais les experts sont là. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas les autres actions qui m'intéressent, la communication. Je crois qu'il y a trop d'argent dans la communication. Il y a trop d'argent. Il y en a qui prennent l'argent et ils font semblant de communiquer, mais ils ne font rien. Mais ils n'y communiquent pas. C'est ce que je veux dire. C'est que dans cet aspect même de la communication, il y a de la corruption. Parce que tous ceux qui montent des projets de communication autour de la lutte contre l'insalubrité en Guinée, mais les gens n'y font pas leur travail. Les résultats sont devant tout le monde. La ville est sale. Mais il faut comprendre aussi que gouverner, c'est prévoir. Il faut comprendre aussi que gouverner, c'est savoir prendre ses responsabilités jusqu'à un certain gérer niveau. Surtout. Gérer surtout. On va enlever gouverner, gérer. Il faut avoir le courage de le dire. Même le ministère de la communication a son rôle à jouer là-dedans. Surtout, le ministère de la communication. Tout de suite, il a parlé d'un certain nombre de ministères qui ont des responsabilités dans la gestion des ordures au sein de notre pays. Il a parlé du ministère des Territoires, le ministère des Travaux Publics, le gouvernorat, les communes. Mais par-dessus tout, le ministère de la Communication a un rôle prépondérant à jouer dans tout ça. Il a un rôle à jouer. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, comment ces communications-là se font? Si on veut communiquer pour lutter contre l'insalubrité dans notre pays, la communication, elle intéresse particulièrement la population. Mais la population qu'on sensibilise, la population au sujet de laquelle on effectue cette communication, mais cette population est insensible et passive à cette communication et à cette sensibilisation. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles sont mal faites. Tout ce qui est, tout à l'heure au salon d'honneur, j'ai eu à échanger avec Monsieur Sidibé qui m'a dit ceci. Tout ce qui est fait contre toi, tout ce qui est fait pour toi, mais
sans toi et contre toi. On ne peut pas sensibiliser une population si on ne fait pas associer la population à toutes les étapes, à toutes les finesses de la communication pour laquelle on veut la sensibiliser. Ok. Alors, mais chez... je n'ai pas terminé. La communication que nous faisons, ce sont des communications qui sont formelles. Elles n'y sont pas profondes. Il ne suffit pas de passer à la télé, de passer à la radio, de donner des supports aux gens. Dans un pays où la majorité de la population est analphabète, il faut savoir définir même la nature de cette communication pour que cette population comprenne le message qu'on veut la véhiculer. On applaudit Québec, s'il vous plaît. Alors, chérif, et la question suivante. Allez-y rapidement. Oui. En deux phrases rapidement. Au fait, ces actions de communication doivent être accompagnées de mesures concrètes. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que concertées. Il y a des limites et quelles sont ces limites et qu'est-ce qu'il faut? La sensibilisation accompagne des actions. D'accord. Pas de sensibilisation isolée. Sinon, ça ne sert à rien. Je vous donne juste un petit exemple. Le président tanzanien, à l'époque en 2015. Après son élection, a annulé les festivités d'indépendance. Peu de gens le savent. Il y avait la choléra dans le pays. Il a dit que c'est honteux de mettre des milliards dans la festivité d'indépendance alors que nous mourons de choléra. Il a annulé les festivités. Cet argent a été investi pour la lutte contre l'insalubrité et lui-même est descendu dans les rues. Ça, c'est un symbole fort. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde doit être pareil, mais ça marque. La population. Ok. Chérif, voilà. Oui, est-ce qu'il y a une limite et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut plus de communication, moins d'action ou faut-il plus d'action et vraiment qu'on évite qu'il y ait... Parce que Demba Kébé a relevé quelque chose. Il y a le rôle que le ministère de la Communication doit jouer. Mais quand on dit rôle, c'est qu'il faut derrière des moyens. Tout à fait. Tous ceux qui ont envie de communiquer, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui un pôle de communication autour de l'insalubrité, mais qui soit dirigé, piloté par le ministère de la Communication, qui a au moins sous sa tutelle tout ce qu'il y a comme média. Tout à fait. Alors, dans la sensibilisation contre les déchets, il y a plusieurs actions à mener. La communication se fait avant, pendant et après. Voilà. Et les supports de communication accompagnent des plans d'action de terrain. Monsieur Sidibé parlait tout à l'heure de la mise en place d'une politique de gestion des déchets. Et cette politique doit être accompagnée d'un plan d'action, d'urgence d'ailleurs. Voilà. Mais si ça n'est pas fait, donc toutes les actions seront faites de manière isolée. C'est pourquoi il a parlé de multiplicité d'acteurs. C'est-à-dire que chacun joue son rôle à son niveau. Donc, il n'y a pas une sorte de synergie d'action qui permette d'avoir des résultats mesurables sur le terrain. Ça, c'est un réel problème en Guinée. Voilà, il y a eu beaucoup de communications financées par des partenaires aussi. Ça se passe de façon ponctuelle. C'est important, mais tout cela doit accompagner une politique nationale mise en œuvre en associant les collectivités, les populations à la base. Bien évidemment, le ministère de la Communication a un rôle à jouer, un très grand rôle d'ailleurs. Parce que le ministère de la Communication a des outils aujourd'hui qui permettent d'atteindre les milieux ruraux. On a plus de 33 radios aujourd'hui qui sont actives dans les préfectures et même les communautés rurales ont des radios, il y a des relais un peu partout. Donc la RTG a encore un symbole qui est là, les communications en langue nationale. Je pense que si les autres radios privées en ont, mais la radio nationale est encore professionnelle là-dedans, elle connaît les mots qu'il faut. La preuve, quand il y a des situations de crise, on passe par la RTG pour communiquer. Pourquoi ne pas passer par les communicatrices traditionnelles pour prévenir ces cas? C'est possible, ça peut se faire, mais il faut de la ressource. Quand on échange souvent entre acteurs de lutte contre les déchets, surtout pour la protection de l'environnement, on se dit que trop de moyens sont investis ailleurs. C'est pourquoi j'ai parlé de problèmes de gouvernance et de problèmes institutionnels. Voilà. Aujourd'hui, la priorité, c'est les déchets. Les déchets sont une question de santé publique et de sécurité. Avant les pluies. C'est maintenant là. Si on lutte contre les déchets, on peut réduire les montants investis dans la lutte contre la typhoïde et le paludisme. Vous savez bien, s'il vous plaît. Voilà, il y a des millions de dollars, des millions de dollars qui sont investis chaque année dans la lutte contre le paludisme. Ouais. Des fois, dans la célébration de ces journées, j'en ris. J'en ris parce que je me dis qu'on est en train de remuer, d'où bien de toucher du bois le chat. Mais le palu, il est toujours là. Le palu continue. Présent. Pourquoi? Il y a les retenues d'eau dans les caniveaux. Les déchets ne sont pas triés.
Aujourd'hui, la communication de la RTG peut permettre aujourd'hui à la population de savoir comment trier les déchets, quels sont les déchets utiles et autres. Okay. C'est pourquoi nous, on a changé c'est d'approche. Cette forme de sensibilisation. C'est cette forme de sensibilisation. Voilà, c'est pourquoi nous, je vous le dis, on a fait notre sensibilisation zéro frais. Les montants auxquels vous faites allusion, ce n'est pas nous. Nous, notre groupe, nous sommes une nouvelle génération de jeunes activistes qui aujourd'hui mettent leurs propres moyens. Moyens quoi ? Logistique, humain, le savoir-faire. Et le savoir-faire-faire. Voilà. Donc, on fait, on utilise des moyens durables. Ok, on va continuer tout à l'heure. On l'applaudit. Hein? C'est important de le souligner. Un instant, parce qu'on est un peu pris par le temps. Il y a des artistes qui nous attendent. On va appeler, on va continuer. Le débat va continuer. Yaya Isaïe, qu'on applaudit très fort, qui va passer. Vous l'avez découvert hier dans cette émission Zénith sur Koloma. Et aujourd'hui, il fait sa deuxième entrée dans cette émission, et tenez-vous bien, à compter d'hier, il est attitré ici parce qu'il a une plume, et je vous le dis, sa notoriété, ça commence à se construire à l'étranger, alors qu'il vit en Guinée. Il faut que la Guinée commence à le fabriquer comme star. Il ne faut pas attendre que les autres nous disent « mais vous avez quelqu'un dans votre pays qui est bon, il est bon ». Hein, Yaya Isaïe, on l'applaudit s'il vous plaît. C'est un slammer. Le micro. Le parolier du Sud. Voilà, le parolier du Sud. Elle est très fort, le gars. Ouais. Fils d'ouvrier, je suis né pour briller. Mon destin comme geôlier, j'avais des rêves par milliers. Parfois je crois que je me noie, parfois je crois que je brûle. Je suis cet homme éveillé ou cet homme somnambule. J'ai vu mon père dans son atelier, travailler comme un forcené. Pour nourrir sa famille, il s'accroche à son métier. De son courage, une nouvelle force est née. Fils d'ouvrier, nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Nos vies sont en chantier. Au bout de ce dur labeur, on finira par signer des chèques. Fils d'ouvrier, malgré toutes ces péripéties, à l'aurore, mon heure sonne. Digne héritier du marteau et de la scie, devant vous, je slame comme personne. Fils d'ouvrier, ravive cette flamme synonyme de lueur d'espoir. On va y arriver, au final inscrire nos noms dans les pages du livre de l'histoire. Fils d'ouvrier, c'est sûr que je l'assume. De mon vécu, j'ai jamais nié, grandir tout en faisant face au manque de thunes. On a connu des fins de mois difficiles, car le plus souvent, la bourse était vide. Ces souvenirs me laissent des traces indélébiles. Mon vécu mérite d'être dans les éphémérides. Au départ, j'étais personne. Dur à croire qu'aujourd'hui mon parcours vous impressionne. La croisière de mon enfance était pleine de douleurs. Pas étonnant que ça a été un voyage harassant, guidé par Monsieur Galère. Sous la pression, je mène ma barre comme je peux. Parfois, j'ai l'impression que la chance me nargue, car je n'ai pas la vie que je veux. Maman, femme d'ouvrier, femme forte, détentrice de la clé du foyer. Dans la fontaine de jouvence s'élance un denier, accompagné de prières pour venir à bout du loyer. Triste réalité, parfois on pense entamer un voyage sans fin. Parallèlement, nos géniteurs œuvrent pour qu'on mange à nos fins. Fils d'ouvrier, je suis fier de l'être. Alors papa, t'inquiète, tes petits-enfants seront mieux outillés, car leur cher père est né pour briller. Merci. Il s'appelle Yaya Isaïe, merci beaucoup. Merci. Le parolier du Sud. Alors, on va s'attarder, hein, parce que le temps file, hein, on va accueillir ce grand groupe. Le manager était là il y a un moment, Mousto, il est parti. Ah bon, Mousto est là. Alors, oui, nous sommes en direct, je vous le précise, chers téléspectateurs, si vous nous suivez. Et nous travaillons dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'à tout moment, on a des gens qui nous rejoignent ici sur le plateau. Voici, pour votre plaisir et pour la première fois dans l'émission Zénith sur Koloma, le groupe Pokémon, hein, on dit l'équipe nationale de la danse, hein, hip-hop de Guinée. C'est parti! Voilà
Vous êtes dans l'émission Zénith sur Coloma et nous sommes à présent avec le groupe de danse hip-hop, le groupe de danse de musique contemporaine, le groupe Pokémon. C'est parti. Thank you.
Extraordinaire. Extraordinaire. Le manager du groupe est là. On a tenu. En fait, l'émission Zénith est ouverte à tout le monde. Hein? Toutes les formes d'art, toutes les formes d'expression artistique, tous les sujets, tout ici, on reçoit tout le monde. Mousto est le manager de ce groupe. Bonjour Mousto. Et laissez-moi vous dire, c'est hier seulement, je l'ai appelé, j'ai dit, tu sais, j'ai promis, parce que dimanche, nous étions ensemble au Palais du Peuple pour Miss University, hein, Guma. Oui. J'ai vu Guma, j'ai dit, bon, écoute, je veux vous inviter dans Zénith. J'ai dit, mais le plateau est petit, hein. Il dit, grand. Même si c'est dans une valise, nous, on peut faire ce qu'on veut, où on veut. Alors, Mousto, merci. Hein. Alors, présente-nous le groupe et vous avez un message. Ok. Tu regardes là ou là, comme tu veux. Comme je veux, donc je regarde les deux. Et là. Ok. Non, c'est bon. Alors, ouais, c'est bon. Bonjour, fidèles téléspectateurs. D'abord, je m'excuse, je suis venu en retard parce qu'il y avait tellement d'embouteillages. Ouais. Mais moi, j'ai dit aux jeunes d'être là à l'heure. Mmh. Moi, bon, comme je ne suis pas danseur, si je viens en retard, on va trouver une solution. Mmh. Donc, je m'excuse pour ça. Donc, le groupe Pokémon, c'est une équipe de la danse hip-hop composée de 18 personnes. Mmh. Et ça fait 10 ans que ces jeunes y travaillent. Et récemment, on était à l'African Incroyable Talent. Mmh. Et heureusement, cette structure nous a trouver les billets d'avion, parce que avant l'invitation de l'African Incroyable Talent, on a reçu beaucoup d'invitations, mais par manque de moyens, ça a raté. Donc Pokémon, c'est une équipe de... D'accord, donc vous avez reçu beaucoup d'invitations avant cela. Oui. Ok, oui. D'accord. Mais faute de moyens, vous n'avez pas faute pu vous y rendre. Faute de moyens. Ok, de moyens. Allons-y. Bon, je disais, l'équipe, elle est composée de 18 personnes. Mmh. Et ces 18 personnes, ils ont travaillé, ça fait maintenant 10 ans. Mmh. Et aujourd'hui, nous sommes champions d'Afrique en danse hip-hop. On applaudit ça, s'il vous plaît. Oui, alors, le problème que tu as envie de poser aujourd'hui dans cette émission, parce que tu m'as dit, on a tout fait pour avoir accès au président de la République. Effectivement. Nous avons un message pour lui. Effectivement. Et aujourd'hui, je pense que c'est possible. Ça, c'est l'occasion. Voilà. Donc, si le président nous suit... J'espère que c'est un gentil message. Oui. Un gentil message. Parce si, que nous sommes en direct. Si voilà. Monsieur le président nous suit, ouais. Ou si la personne qui gère son emploi nous suit, parce qu'avant de bouger, nous, on a tout fait pour voir le président. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est une équipe nationale de danse hip-hop. Quand je prends l'exemple sur Sili National, avant de bouger pour une mission... Ouais, mais sauf que personne ne vous a encore donné cette qualité, ce n'est pas le département. La qualification se fait au niveau du ministère de la Culture. Donc, oui, mais... Aujourd'hui, vous acceptez quand on parle de la danse hip-hop, on parle directement de Pokémon. Pokémon, oui. Voilà, là, je suis aujourd'hui, d'accord. À l'Africain, on parle de la Guinée, c'est automatiquement moi en contact. On a besoin de votre groupe. Vous voulez une reconnaissance nationale. Effectivement. Donc, d'accord. Avant de bouger, on voulait voir le président, comme il fait avec Sili National. Nous donner des conseils et nous donner le drapeau pour aller faire la mission de l'État. D'accord. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion, on a essayé plusieurs fois, on n'a pas eu peut-être la bonne personne pour nous introduire. Et à notre retour... Vous avez été au ministère de la Culture? Oui. Vous l'avez posé le problème? Oui. Okay. Oui. D'accord. Donc on est suivi en direct là, hein, dans tous les bureaux, on nous suit en ce moment. Okay. Je crois qu'au ministère de la Culture, vous êtes passé par la Direction nationale de la Culture? Effectivement. Ok, d'accord. Donc à notre retour... Vous-même, vous avez suivi ce que les jeunes ont fait en Côte d'Ivoire. Ouais. Là-bas, ils n'ont pas dit les Pokémon, ils ont dit les jeunes Guinéens. Les jeunes Guinéens. Donc, c'était une fierté et pour eux. Et ils avaient toujours le drapeau guinéen avec effectivement, eux. Effectivement. C'est extraordinaire. Le Guinéen, dès qu'il est en dehors de la Guinée, il devient ultra patriotique. Ça. C'est-à-dire qu'il a le drapeau de la Guinée tout le temps avec lui. Oui. Donc, quand on revient de la mission, on se dit que la Guinée, les Guinéens, ils sont contents de nous et tout. Mais la première personne, je veux dire, le responsable, il faut le rencontrer, l'expliquer les détails, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce qu'après l'African Incroyable Talent, on a d'autres compétitions. Aujourd'hui, on a plus de 4 à 5 compétitions à l'international. Et aujourd'hui, êtes attendu et vous battez pour trouver les moyens de... Effectivement. Alors ça, on les applaudit. Je pense que vous aurez... L'appel est entendu. En tout cas, vous êtes suivis là. Mm-hmm. Que ce soit
le ministère de la Culture ou la présidence, en tout cas, mais il y a aussi des sponsors, des mécènes qui peuvent vous accompagner. S'il y a des gens qui vous suivent, les bonnes volontés, n'hésitez pas, il faut, en tout cas nous de notre côté, c'est ce qu'on fait, on les soutient, la RTG fait son boulot, on les soutient et on va continuer à les soutenir. Et vraiment, merci à la RTG, voilà. Nous remercions toutes les bonnes personnes qui nous ont maintenant, soutenu. Ce qu'on va faire, Mousto, c'est que vous allez continuer, même si c'est un passage par émission, par, deux fois par semaine, ça va vraiment nous je vous recevrai ici jusqu'à ce que quelqu'un dise, on vous donne les moyens de partir. On va nous voir le président, voilà. Merci infiniment. Merci. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on va continuer le débat dans quelques instants, mais il y a... On va écouter Alpha West. Hein? Zébal, je ne t'ai pas oublié. Hein? Lui aussi, il est en train de faire ça là-bas. Tu vois, comme le... Alpha West. Inamayamba, oh inamayamba, inamayamba yo, nkila pena yo, inamayamba, enalaji laji dununyai wotam, ailala edununyai, e Muhammadu Rasulilai yo, e mbangi kitenge rikunyala. Ariri jamana sogeto bantate Ariri jamana kike inamayamba Womato babemu didangu ngito Demu abakolo ngito edunu nyai Barankali futi mubinyarito Divorce bantadi wotanji dunu nyara Diamaska mato turimuto madramuto fe Boxitiska ma eturimuto madramuto Inamayamba, mba inamayamba. Inamayamba, nkila pera yo. Inamayamba, eh inamayamba. Inamayamba, bemada marafe yo. Inamayamba. Nalayi layi dunu yai wotan Ailan la edunu yai E Muhammadu Rasulilai yo E mbangi kitenge kitunyala Ariri jamana sogeto bantate Bakike inamayamba Womato babemu didangu ngito Demu abakolo ngito edunu yai Barakali futi mubinyarito Divorce bantadi ngotanji dunyara Avorte manatu neson somato Sinyo ya jidingito jidunyara Demokrasi mirie kantyangbele rito Politisi ye nyama barabamato Diamaska mato turimuto madramuto Boksitiska ma eturimuto madramuto Aramire garantare seni amato Badugi bantagbogi nefatonde Maghride yala Ayi Inamayamba Inamayamba Bemada marafeyo Inamayamba Hey inamayamba Inamayamba Nene warafeyo Inamayamba 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 Narira rafeyo Inamayamba Hey inamayamba Inamayamba Asumani kondeyo Inamayamba Hey inamayamba Wai inamayamba. Il n'a pas besoin de 150 000 personnes derrière lui pour faire sa musique. Je vous dis ce qui se passe avec Alpha West, ça se passe entre lui, Dieu et sa guitare et ça va vers nous. Alpha West qui a été vraiment un des pionniers à l'éveil de conscience de nos jeunes Guinéens vers les années 90. Alpha West, que je vous demande d'applaudir. Alpha West.
Voilà, on me signale qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Zébal va passer rapidement après. Nous allons demander à Alpha West de nous dire pourquoi il est en Guinée. Qu'est-ce qu'il est venu faire en Guinée rapidement? D'ailleurs, tu vas le faire. Alpha West, oui. Qu'est-ce que tu es venu faire en Guinée? Je suis venu en Guinée depuis 14 années d'absence. Bah, d'abord, je suis venu à la maison, quoi. Ça, c'est une... D'accord. Ça, c'est le... Tu rentres à la maison. Ouais, le premier élément, le premier motif. Le second, je suis entré à la maison, je viens avec un nouvel album, toujours qui est réalisé dans les mêmes optiques que les albums précédents. Aussi, prendre des renseignements sur les critères d'accessibilité aux barreaux guinéens. Parce que tu as fait des études de droit à Paris. Oui. Ah oui, il a fait des études de droit à Paris. C'est Sorbonne ou quoi? J'ai fait Assas et Paris 3. Paris 3. Assas et Paris 3. Donc, il est diplômé, il est en droit. Et il veut avoir accès aux barreaux guinéens. Oui, pour dire droit et le faire dire par ceux habilités à le dire. C'est ce qui ne veut pas dire que le droit n'est pas dit ici. Mais moi, j'ai suivi quelques procès qui ont fini par des sentences qui, ma foi, n'étaient sûrement pas fondées sur le principe de l'égalité. Ok. Vous savez... Alors, Alpha, on continue. Oui, donc tu es revenu. Maintenant, tu as ton album. Non, voilà. On ne parle pas de toi ici. Non. D'accord. Calme-toi. Il n'y a pas de problème. On aura l'occasion de parler de ces choses. Mais okay. Calme-toi. Non, c'est mon pote. Nous avons commencé nos carrières ensemble. Oui, mais vous protégez là, un peu techniquement, avec subtilité. Asmane Kondé. Parlons, disons, essayons de dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles sont. Allez, vas-y, je t'adore. Voilà. Je t'adore, mon pote. Non, vous êtes mon aîné. Je vous connais il y a 30 ans. Vous m'avez vu évoluer. Oui, ouais. Mais on est aussi des amis de carrière. Voilà. Vous savez, Socrate et ses confrères, qui la première fois pensèrent à établir la République, le premier élément sur lequel ils ont statué était le droit, était la justice. J'en prône aujourd'hui la paix, l'égalité, l'unité, etc. Mais sans la justice, ces éléments, ces derniers ne peuvent en aucun cas prospérer. Moi, j'entends le sujet de débat de ces messieurs. Moi-même, j'arrive à Conakry. D'abord, le civisme se trouvant avant que je ne parte a disparu. Et ça, l'insalubrité à Conakry est écœurant et inadmissible. En réalité, au lieu de parler de dispositions, de communication, etc., dites clairement l'abandon de l'État, de son travail, de son devoir à l'égard de des populations. C'est ça. Nous sommes dans un pays régorgeant toutes les denrées sous-sol côté au monde. On l'applaudit, Alpha West. Voilà. Ok, Alpha. Ils sont pas responsables. Minutes. Ok. Voilà. Tu reviendras. Hein. Avec plaisir. Non, mais maintenant tu fais. C'est comme les Pokémon. C'est comme Isaïe. C'est comme comment il s'appelle encore? Miss Konkosa. Zébal. On l'applaudit. Rapidement, et il est malchance. En fait, toi, tu es à la poste maintenant. Toujours, tu es le dernier et il te reste très peu de temps. Parce qu'on n'a pas clôturé l'émission, on n'a pas fait la synthèse du débat. Alors, je vais aller rapidement. Ouais. Pour moi, l'insalubrité en Guinée, c'est Guinée. Alpha, ça, c'est grave. On l'applaudit. Oui, rapidement, Zébal. On a deux minutes. Le bon Guinéen, c'est celui qui... jette les ordures dans la poubelle et puis après, il met dans le fossé. Et puis quand la pluie vient là, il pousse, il envoie chez son voisin. Ah le bon. Voisin aussi, il prend, parce qu'en tant que bon Guinéen, lui, il va pousser pour envoyer chez l'autre voisin. L'autre voisin aussi, en tant que bon Guinéen aussi, va pousser pour envoyer jusqu'à ce que ça va se retrouver dans la mer. Ce qui veut dire qu'on est bon Guinéen. Parce que nous, on se sert de la nature pour pouvoir polluer la nature aussi. Tout à l'heure, ils ont parlé de paludisme. Non! On fait sensibilisation des paludes. Non. C'est la moustique même qui sont contents. Parce que quand tu viens en Guinée, tu es étranger, tu rentres en Guinée. Mais quand tu rentres chez toi, c'est le moustique qui te dit « Hey! Il nous va aller, voilà, va! On avait... Hey, non, là! Zéba! Non, dis-toi, non! Je sais pas, non, là! Et puis, il te demande même...
Tu as été accueilli par les moutons ouais, de il toi. Connaît. Ils t'ont dit, mais grand, il va vous. Il va vous belir, Rigo. Non, grand, il t'a fait fango. Maman dit, ah, grand, faut t'étendre. Si tu viens d'un autre pays africain, quand écoute, avec. Ah, toi, tu viens du Mali. Les moustiques du Mali, là, ils ne sont pas bien. Ils sont trop costauds, plus que nous. Et ce qui me tue, bon, t'as dit, c'est pas pour te saquer, mais il y a d'autres qui ont profité en fait d'insalubrité là-dedans. Toi, tu prends photo et puis tu fais bravo, tu mets sur Facebook. Voilà une fille aussi qui voit photo de celle-là. Elle dit, c'est la même. Nous, on va, on prend fleur derrière, on attrape, on prend photo. Toi, tu prends photo derrière et puis il y a saleté, tout ça là. Est-ce qu'elle-même n'est pas folle? Elle dit, petit sœur, c'est toi qui es folle. Tu sais pas que celle-là, elle cherche son argent. Toi, si tu peux pas faire la même chose. Oh, le monde là, chacun s'est profité de ses chemins. Mais bon, au fait, moi, mon message, c'est quoi? C'est que. Pour lutter contre l'insalubrité, il faut passer par les femmes. Parce qu'aujourd'hui, je connais des femmes qui rentrent dans parce le Magbana. C'est elles qui salissent encore. En plus. Numéro un. Je connais des femmes quand elles rentrent dans le Magbana. La première des choses qu'elles payent, c'est Bantui. Bantui avec sauce là. Et puis, il faut les voir en train de manger ça là. Et puis, quand elles finissent de marcher là, c'est par la fenêtre. Je connais aussi des garçons quand ils payent l'eau royale là. Donc, si tout le monde met à terre, il n'y a personne pour ramasser. C'est que de fur en aiguille, on serait dans le ton du Mordis. Et on serait dans le cas qui est arrivé à Concancer, où les ordures tuent les gens. Ouais, ça veut dire, il y a deux minutes. Bon, allez, on applaudit Zébal. Merci beaucoup. On va rapidement, en 30 secondes, la synthèse, s'il y a des recommandations. Non, Zébal, toi, tu ne peux pas faire 5 minutes ici, sinon les gens vont mourir. Rapidement, j'ai dit qu'il faut des actions coordonnées et concertées, c'est-à-dire entre les actions de l'État et aussi ce qu'on demande à la population. Il y a trois éléments à savoir. Un espace sali, c'est un espace méprisé, rejeté, abandonné. Okay. Mais un espace propre est un espace maîtrisé, et un espace fleuri est un espace valorisé. Donc il ne faut pas nettoyer les espaces et les laisser vides. Et il faudrait agir donc au-delà de la propriété. Merci beaucoup. Rapidement. D'accord, je demande 5 secondes. 5 secondes. Ouais. Donc l'implication de tous les acteurs voilà, dans ce processus d'assainissement, la mise en place des poubelles, l'application des taxes pollueurs-payeurs, voilà, surtout les sachets plastiques. Voilà, pollueur-payeur. Moi, je suis d'accord là-dessus. Mérite d'être interdit. On applaudit ça, s'il vous plaît. Voilà. Les sachets doivent être biodégradables. C'est terminé pour aujourd'hui, Alpha West. On va continuer, même si ça finit à l'antenne. On va faire le show ensemble. Waye utemelumeba woyi wodidi lumeba e Allah